Hey hey hey, cucu mes petits culs, et bienvenue à nouveau pour une nouvelle vidéo de Crux The Big Heist. Je vais juste baisser un chou le son parce que sinon j'ai l'impression que je vais hurler dans mon truc. Et ben on est reparti pour la même mission que la dernière fois. J'avais eu du mal à finir. Tu vas juste venir. Arrête, commence pas à manquer qu'est la cocotte, hein. Ça va. Allez, on est parti. De toute façon, je peux rien faire si je peux faire lui. Excusez-moi, il faut que je me remette dans le banc à chaque fois. Lui, il peut juste déverrouiller ça. On est ok, on est ok. Voilà. Alors, je vais pas réviser mes classiques. Je ne sais plus, trop. Si j'avais merdé un endroit, mais je sais toujours pas comment m'en sortir, mais c'est pas grave. On fera ce qu'on pourra quand on pourra. Et on s'aimera encore, même quand Crux sera mort. Alors, tu vas attendre 2 secondes. C'est bon, passe. Mince! Qu'est-ce que je fais? C'était pas ça. Ça commence tellement mal! Non, mais c'est pas vrai! Attendez, du coup. Non, mais c'est pas ça que je voulais faire. On va redémarrer. Non, mais j'ai perdu du temps, en fait. Pourquoi? Parce que je pensais... oui, non, mais voyez, quand j'ai dit que j'ai pas révisé, je fais déjà du caca. Ça commence bien. Jouer le challenge. Oui, je sais qu'on est à 15 minutes, mon coco. Je vais bien sûr mettre les infos sur les gardes. Sans ça, on ne peut pas avancer. Toi, tu vas juste ouvrir ta porte. Toi, tu vas tout de suite venir ici. Voilà. C'était ça le truc. C'est qu'il fallait tout de suite qu'elle vienne. Parce qu'il y avait un truc à faire ici. Il fallait débrancher la cam là, en fait. Et j'avais zappé cette histoire. Ensuite, interrupteur, tu vas faire ça. Ça, c'est fait. Ça, c'était bon. Tu vas défaire ça. Ok. Il y avait cette histoire de porte. Tu vas défaire ça. Attendez, c'est lequel que j'ai fait? Ouais. Il n'y en a plus qu'un qui fonctionne. Ouais. Tu vas faire ça. Tu vas faire ça. Et tu vas faire ça. Non. Oui. Ah, je vais y arriver. Tu vas récupérer ça, après tu viens faire ça. Et tu viens là. Parce que lui, il va forcément venir vivre ici. Avec un peu de chance, ça sera parti. Hein. Voilà. Ensuite, tu peux revenir là. Je crois que c'est bon, je me souviens à peu près. Dépêche-toi, cocotte! Ouais, c'est tout juste. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, on va attendre que lui passe là pour avancer dans son dos. Pareil, lui, il va s'exciter là-bas, comme ça, après, c'est fait. Non, mais je rêve! Arrêtez de vous exciter pour si peu, les gars. Les garçons... Tac. Normalement, c'est nickel. Normalement, on est presque bien. Le truc, c'est qu'il va reprendre sa... Ouais, mais après, ici, c'est vrai qu'elle est safe, ici. J'avais oublié. Ouais, il revient. Donc, je peux pas faire grand-chose à part attendre. Sinon, si je rentre... là, eh ben, il va me voir. Ah non, c'est bon. Mais qu'il est bête. Tu peux venir là. Du coup, c'est nickel. On va rentrer dans son dos. Ok, tu peux y aller récupérer ça. Je me souviens qu'on l'avait... On était comme ça. Hop. Et après, on va aller là. Ouais, ouais.
c'est mort. Merde. Merde. Qu'est-ce que je fous? Je m'ai gouré. Bon, elle, c'est bon, mais lui, il va se faire choper, hein. C'est pas vrai. Ah non. Mais quelle chance nous avons! Technicos, pareil. Enfin, j'ai, parce que. Je vous inclus dans le délire, mais vous avez vu, je suis sympa. Punaise! Comment je vais vite d'un coup? C'est un truc de fou. Ok. Là. En avant. Le coup, c'est tu mets tes trucs, tu vas chercher ça, tu vas chercher ça, et tu ressors. C'était ça l'histoire. C'est parti. Donc toi tu viens là. En si peu de temps. Mais après quand on connaît la map, c'est plus simple en fait. Mais bon, j'ai pas voilà. J'ai quand même sûrement merdé pour un ou deux trucs. Nickel. Le gars, il arrive. Il est on the way. Donc on va devoir attendre. De toute façon, il est déjà venu inspecter ici, donc on est tranquille. Pour le coup, là, on n'a plus rien à faire ici. C'était ici que j'avais perdu 2 minutes. Tellement j'avais pris de temps. Surtout qu'il est lent et faible, donc on va pouvoir le... Voilà. Où est-ce que je défais ça? Je sais plus. Mais j'avais pas un truc à récup? Que j'ai pas récup? Un destructeur? Ah mais il est là! C'est ça! C'est ça. Donc il va falloir faire ça dans son dos. Et ça, il faudra faire dès qu'il aura le dos tourné. Pour l'instant, on doit attendre. Je suis trop... En fait, je suis tellement parfaitement faite, exécutée, pardon, parfaitement faite, pas du tout. J'ai tellement bien exécuté le truc que voilà. Bien tu vas le faire. Salut. Tu vas bien? Ouais, tu le refais. Hein. Après, tu feras destructeur. Destructeur. Oui, non, mais elle l'a pas encore. Attendez. Vas-y, mais prends-le! Tu me fais faire des frayeurs, toi. Parce que là, en fait, avec la porte ouverte... Ouais. Il va y aller, le gars. Je me dis, est-ce qu'on tente de l'enfermer ou pas? Ce serait rigolo. C'est ce que je voulais déjà faire la dernière fois. Vous allez voir comme je suis souple. Tu vas venir là. Technicos, pareil. Parce qu'en fait, avant de les voir eux, il va voir ça et il va y aller. Et je vais essayer de l'enfermer, mais vraiment, je... Il faut vraiment que pendant ce temps-là, lui, il fasse sa boucle, quoi. Ah, ils rentrent pas dedans. C'était ça l'histoire. Eh bien. Oh 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 oh. C'est parti. Oh la vache. Ok, c'est bon. Non, pas par là, cocotte. Coco. Cocotte. Pichtre. Ah, mais là... Tant qu'il inspecte, il est chiant. Mais c'est ça, en fait, il aurait dû rentrer. Ça aurait été tellement plus drôle. Mais bon, bien. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Ouais, elle va se remettre en route. Quoique, parce que je sais pas où en est son tour de garde.
Ouais. C'est dès qu'il tourne le dos. Et c'était le but, c'est après que je m'étais planqué là. Et on l'avait assommé. Parce que là, le temps qu'elle arrive là-bas, c'est un peu chiant. Toute façon, je suis obligée de l'assommer. Technicos pareil. Là. Tu vas bien? Oui, ça va. C'est juste que je vais te faire en boucle ça parce que je peux pas la désactiver entièrement. Je sais même pas si ça retarde vraiment le truc, hein, mais parce que ça s'accumule pas en fait. J'ai beau le faire 5 fois, ça va pas me faire 5 fois. Tu vas me le faire là. Et tu te planques. Vas-y, barre-toi, 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 c'est bon. Je suis même pas sûre qu'elle ait le temps. Salut. Elle, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon! Du collignon. Go, vous planquez ici. Je sais même pas si on va y arriver. Non, c'est mort, c'est mort, c'est mortadelle! Là là, mais je sais plus jouer. Je vous le dis, je ne sais plus jouer. Je vais avancer jusque-là. C'était comme ça que j'avais fait, hein, de toute façon. De toute façon, cette porte-là, je peux l'ouvrir que de ici. Et ah oui, j'étais bloquée, il fallait que je fasse venir l'obcovite jusqu'ici. Et j'étais bloquée à cause de ce mec-là, en fait. Ce mec-là, il est. Il est possible de l'étourdir de diverses manières. Et j'avais un poète-poète. À mon avis, le poète-poète, il doit servir quand même à quelque chose. Hein. Ok. Ok. Étape. Planquez-vous. Planquez-vous. Sachant que j'ai droit à zéro erreur, donc. La caméra, ça va, elle se remet pas avant un bout de temps. Hein. Ok. C'est à notre tour maintenant, vous deux. Oui. Tam, tam, tam. Panadam, pam, pam. Ok, vas-y. Ok. On va faire un petit tour. Tu as du courage, mon petit Bishop. Va venir là maintenant. Je me souviens. Alors, je pense que là, en fait, si j'ouvre, c'est visible. Donc, en fait, il faut qu'on ouvre là tout de suite. Faut qu'il fasse. C'est ça l'histoire. Pareil, là je suis peut-être en train de perdre du temps. J'aurais pu tout de suite ouvrir et puis ouais, ils s'en vont, mais ça me stresse moins de faire ça. Là c'est facile, il suit juste le gars en attendant quoi.
Surtout que j'aurai un tour complet après pour la faire sortir. Donc, bon bah go. On y va. Allez-y. On va pas se reposer tout de suite. Là, ça s'ouvre. C'est avec lui. Regarde. C'était ça. J'avais mis Cléo ici. Une serrure accrochetée. Et toi là. Je sais plus si. Non, lui, il vient pas là, je crois. Si on va attendre qu'il tourne. Voilà. Après, c'était quoi l'histoire? Il y avait ça à ouvrir. Ah ouais. Ah ouais, quelle prise de tête ça. Ah mais j'ai un machin, un chloroforme. Est-ce que ce serait pas parfait pour lui? Mais ouais, il y avait, je sais. Ouais, mais il y avait ça que j'avais pas désactivé. Parce qu'en fait, je peux pas. Parce que je pouvais pas rentrer là. Vous voyez, hein, je suis en train de refaire une partie, mais en fait, je suis sûre que j'y arriverai pas. Hein. Je suis en train de me remémorer le bordel. C'est pas que je suis mauvaise, c'est que j'ai pas. C'est pas logique. Non, bon, après, je pense qu'ils sont. Ils ont tellement bien foutu le jeu, je pense que c'est faisable, mais là, comme ça. Alors, ça, c'est ouvrir. Ça. Là, celui-là, il arrive. Je crois que je m'étais planquée un moment. Tu vas pas ouvrir ça, tu vas ouvrir celle-là. Déjà, tu vas venir. Elle est tellement rapide, cette fille. Non! Une petite seconde. Merde. 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 Et là, j'ai les deux qui vont venir. Je suis dans la merde. Ouais, c'est ça en fait. Je crois que c'était ça le délire. C'est qu'une fois que j'avais fait ça, je devais retourner me planquer là. Je crois que c'était ça. Ouais, bah. Voilà! Pas grave, on va recharger, hein. C'était que le premier fail. Hein. 7 minutes 38 quand même. Hein. C'est que ça passe, le temps passe. Hein. Après, je rate ou pas, bah, tant pis. Hein. Oui. Toi, tu vas venir là. Je suis prêt. Je suis prêt. Attendre que lui passe. Tu actionnes ça. Alors ? C'est pas vrai. Oui. Ah punaise, mais je me retrouve recoincée. On tente le tout pour le tout. Hein. Oui. C'est quoi le topo? Wow. Vous imaginez pas. Vous imaginez pas. Une serrure accrochetée. C'est méga stress parce que là, de toute façon, il va regarder ici, donc c'est mort. Ok, j'ai eu peur. J'ai cru que c'était elle qui allait se faire voir, mais non, c'est bon. Ils vont rester planqués là. Parce que de toute façon, lui, voilà. Ce qu'il faut faire après, ce sera ouvrir cette porte-là. Et après, c'est le jeu...
Mais il va où ce débile? Au travail. Ok. On revient là. Pour eux, c'est pareil. Lui, c'est pas innocent qu'il ait sa pilule aussi. Hein. Alors ? Ça, c'est pour fermer la porte là-bas, mais on s'en fiche. Je suis prêt. Et je crois qu'il vient visiter après. Est-ce que ça vaut pas le coup d'envoyer déjà Bishop à l'intérieur ? Qu'il doit se placer. Là. Je vais essayer. Oui. Ouais, il arrive. C'est quoi le topo ? Je peux pas aller là ? Si. Au pire, s'il vient là, il le verra peut-être pas là. Je suis en train de tenter des trucs, je sais pas. Hein. Je vous le dis direct. Ah, j'avais pas vu que ça clignotait en rouge pour dire attention. Je quadrille le périmètre. Merde, il sort en plus. Quelle non-chance. Tellement me faire griller. C'est quand vous voulez. C'est pas vrai. Dites pas ça. Dites pas ça. Oh, il l'a pas vu, mais cette blague infâme. Cette blague infâme. Je suis tellement outrée. Il le voit pas là. Je vous jure, j'ai le cœur qui palpite. On dirait c'est mieux, hein. C'est une bonne nouvelle. Ok, tu peux défaire ça, du coup. Oh, ce tournicotis qu'elle m'a fait, c'était fabuleux. Voilà, ici, on est ok. Il y a cette histoire de porte. Et après, on est arrivé déjà ici. Il me reste quasiment 6 minutes. Ce qui n'est pas négligeable. Ici, on a besoin de Lobkowitz. Donc, j'avais merdé après ici. Hein. Et le fait qu'il y ait la bombe comme ça, c'est pour faire quoi? Est-ce qu'il y a un mur ébréché que je n'aurais point vu? Bah ouais, il y a celui-là. Mais on peut pas rentrer. Ça revient toujours au même, j'ai le même souci pour rentrer ici. Je veux dire, si je demande à Lobkowitz de venir là, il va pas. Voilà, il peut pas rentrer par là. Cette porte, elle est activée que là-bas. En fait, ça, c'était. C'était là-bas, bah oui, mais c'est vraiment juste impossible. Hein. Impossible. Et lui, quand il verra la porte ouverte, où est-ce qu'il vient? Parce que s'il vient jusqu'ici... Ah ouais... Mais ouais, mais Lobkowitz, comment je le fais venir jusque-là? Je peux pas! Il se volatilise pas! Ils me font rire, là. Ah oui, il faut désactiver, là. Oui? Ah oui, non, mais je veux bien vous croire. Le souci, c'est que, bon... Pour arriver là...
Ah, mais il faut que je la... Ouais, mais c'est ça. Non, mais je pense que c'est un truc, hein, c'est le cercle vicieux, quoi. C'est un truc où on n'arrivera jamais à faire quoi que ce soit de correct. Hein. C'est pas possible. Je ne sais pas comment faire venir le Covid ici. Elle, elle pourrait même pas y aller parce qu'elle a pas le bois constricteur, elle a l'anguille et la tarentule. Donc ça, c'est bois constricteur. Donc elle peut même pas venir jusqu'ici. Je n'ai pas de fourche de Tesla à choper. J'ai pris tous les items, il n'y a pas de fourche Tesla. J'ai vraiment dû louper un truc dans l'histoire parce que... C'est pas un petit bruit, hein. Ah mais regardez, en fait, on s'en fout. Ça atteindra que celui-là. En gros, là. En vrai, on s'en fout. Je fais passer l'Upcovitz. Et on est débarrassé. C'est elle qui a le chloro. En fait, il faudrait... Vu qu'il y a que ça alarme que lui... À moins que si ça sonne, on est mort. Non, je pense pas que ça monte la jauge de danger. Parce qu'en fait, je vous explique que si elle, Cléo, oui. C'est la seule qui a le chloro, donc c'est la seule qui pourrait mettre par terre lui, puisqu'on peut l'étourdir de différentes manières. Une fois qu'il est étourdi, le Covid passe tout ça. Et là, on est sauvé, parce que ça veut dire qu'il peut débrancher ici. Quand ici, ça ouvre la porte, les deux portes. Et on pourra redésactiver pour les autres, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la seule possibilité que je vois, mais... On y est pas. Pour l'instant, je vais m'occuper de Cléo. Je vais la refaire repasser de l'autre côté. Elle peut prendre le truc. C'est quoi le topo? Le topo. C'est que toi que tu vas activer la petite machin là. Elle, elle va y aller. On y va. Elle va avancer. Je suis prêt. Bah j'espère. Voilà, elle a accès de près. Elle a le pouette-pouette. Elle a tout ce qu'il faut. Celui, il va venir. Que je le fais 20 maintenant. Je le fais 28, je vois qu'il fait 5 minutes 28 encore. C'est un tableau de distrib. Parce que elle va l'assommer. C'est soit elle l'attire avec le poète-poète, soit elle l'assomme. En attendant, on va juste attendre quoi. On n'a pas trop le choix, j'ai envie de dire. Il y a des moments comme ça, on doit juste attendre que le jeu avance. Ouais, elle va l'assommer quand il lui tournera le dos. Il y a quelque chose qui cloche. Ah mince, bah non. En fait... C'est parti. Je regarde parce que s'il sort maintenant et qu'il se prend les trucs... Bah non, parce qu'il y a l'autre qui est là. Mais avance-toi. Je veux. En venant là. Eh, ce serait l'occasion, oui. En fait. Elle aurait l'occasion de sortir. Mais bon, ça va quand même alerter. Tu vas là. En fait, elle a le truc féline, donc elle peut être tout près dans son cercle rouge. Ils vont pas la remarquer. Allez, go maintenant. Tue le chloro. Wow. Ouais. Tu vas bien ? Ouais. Tu peux venir jusque là. Oh, j'ai très peur de ce que ça va faire, mais c'est la seule chose que je peux faire. Et vous avez... Ça alerte personne d'autre que lui. Oh,
Je crois que j'ai trouvé. Là, 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 là. Et toi, tu peux... Au travail. Réactiver ça. Ouais, ouais. On y va. Faut pas forcer. Mince. Bah oui, je l'ai fait... Je l'ai fait faire trop vite. Je vais la... Non, pas de fois. Cléo, je vais la faire venir aussi. Je sais pas, je fais peut-être la pire erreur. Impossible, sérieusement. Vas-y. Coureuse parée. Ouais, ce qui se réveille et que je peux pas faire plus en fait. Pourquoi ça tombe sur moi? Ah! Ok, et nickel. Nickel, nickel, nickel. Oh, je vais réussir. En fait, j'avais vraiment pas pensé... Parce qu'en fait, quand moi, je vois les barrières, je me dis, bah, il faut pas y aller. Sauf que... Bah, en fait, il faut pas y aller, mais faut surtout pas qu'il y ait des gardes dans le périmètre. Et c'est cool parce que elle est là, et elle va pouvoir aller faire ce qu'il faut, quoi. En avant. Donc, après, ça va être à elle de jouer. Il me reste 4 minutes, ça devrait être nickel. Faudra juste faire en sorte que lui, parce que c'est chiant aussi, hein. je peux plus, à moins que je fasse un pouet-pouet quelque part, avec le pouet-pouet, il aille le chercher, mais bon, on verra. Là, il va faire son petit rond comme ça. Lui, il a été faire sa sieste, voilà. Ça aide de jouer. Bon, alors maintenant que ça, c'est OP. Je crois qu'il faut... Ok. Donc, alors Cléo, tu vas y retourner. Lobco aussi. Serrure accrochée. Oui. Et toi, tu vas activer ça, du coup. Bien reçu. Au travail. Et toi, tu vas venir, du coup. On y va. C'est quoi le topo? Bah, le topo, c'est que vous soyez tous là. Comme des joyeux lurons. Ok. Salut. Ouais, ça va être à toi. Hein. J'espère que t'es prête. Hein. Ok. Roquette en place. On n'a pas besoin tout de suite, tout de suite. Faut désactiver. Tu vas désactiver les caméras. Alors. Que je regarde. Ça. Ça en fait deux. Ça, ça en fait un. Ça, ça en fait deux. Ah, je pense qu'il faut faire celui-là, après rallumer celui-là, et ça. Ouais, je pense que c'est comme ça. Voilà. Tac, tac, et tac. On va voir ça, j'espère. Hein. Voilà. Voilà. Yes ! 3 minutes, les enfants, pour partir. Oh là 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 là. Bon, les trésors, il y en a, mais je suis pas sûre que tu les chopes. Lui, il va finir sa garde. Je réfléchis. Elle est très rapide. Elle peut aller ouvrir ça. Et le truc, c'est que pendant qu'il ira faire sa ronde là-bas, tout le monde part par là. Mais j'ai vraiment aucune autre alternative. Je peux pas aller dans les cellules. Je peux pas. Il n'y a que cette cellule-là. Voilà, en fait, le truc, c'est que il me reste 3 minutes, ça devrait le faire, le temps qu'il fasse un aller-retour. Elle va aller ouvrir la porte, justement. Elle va aller ouvrir la porte et revenir tout de suite. Nous, ça nous fera une halte, en fait. Il va s'exciter en voyant tout de suite. Et voilà, machin. Après, quand il retournera par là, on ira mettre les 3 ici. Et... on essaiera de se barrer pile quand il sera là. On ira. Je vois pas comment je pourrais faire autrement. Voilà. C'est comme il rentre pas à l'intérieur.
voir. Suffit d'attendre. Hein. Oh, mais je suis contente parce que je pensais... Il est chaud, hein, quand même, celui-là, au niveau de challenge. Hein. Je vais pas vous mentir. Il est assez chaud. Mais c'est quand même cool, parce que justement, ça fait toujours travailler et tout ça. C'est... En plus, c'est déjà une map que j'ai faite, mais c'était au début, donc je m'en souviens plus trop. On va lui laisser reprendre son truc. Voilà. Et dès qu'il tourne le dos, comme un tourne dos, comme d'habitude, c'est toujours la blague de merde que je fais. 2 minutes, il nous reste. Tac. Il y a Lobco et il y a lui. Et bien, vous venez. Vous venez choper les trucs ici. Ça fait une halte. Parce que comme ils sont... Il y en a deux qui sont pas très très rapides. Voilà. Alors, maintenant, est-ce que on peut vous planquer ? Ouais. Alors, bien sûr, tu peux pas aller dans le... Dans... Là. Et toi ? Je suis prêt. Ah, non. Ok. Derrière la porte, tous les troncs rondognons derrière la porte. Au cas où, ouais, voilà. Et le mec revient. Je vous ai dit, c'est vraiment timing. Ça passe, mais c'est chaud, quoi. C'est juste, hein. Et là, eh bien, on y go. Putain, mais il y a lui qui arrive. Oh non, je les ai déconnectés les deux des tours de garde. Oh, ça, c'est chiant. Après, j'ai elle qui a un pouet-pouette. J'aurais pu placer... J'aurais pu placer là, en fait. Reste 1047, hein. C'est largement faisable. J'ai juste à aller ici et la sortie est là, donc c'est pas très compliqué. Mais le truc, c'est que si je les fais sortir maintenant, il y a lui qui va les voir. Putain, relou! Parce qu'ils sont... Avant, ils allaient en même temps au milieu et tout. Là, ils sont déconnectés. Ouais. Ah, faudra que je le fasse. Ah, ils sont presque, c'est bon. Non, ce tour-là, ça devrait être nickel. Ça devrait être nickel, celui-là. C'est stress, hein, je vous le dis, moi. C'est un jeu qui est pas très facile. Enfin... C'est sûr, il est pas facile. Hop. Tu vas prendre ta pilule, toi. C'est parti. Oui. Et toi, t'es méga rapide. Tu vas aller voir, on va aller voir si on peut piquer le. Oh, oh, vous l'avez vu. Oh, mon dieu, cette flip. Oh vache. Et si tu mets ça. Oh non, là ça va rameuter trop de monde. Allez, on s'en fout, les gens. On a gagné. On a gagné. C'est bon, on a fini là. J'ai fini le challenge. Oh la vache, et avec du stress. Du stress. Du stress. Ah, oh, je voulais dire du stress. Ah, oh. Oh, Bishop, il y court. Hein. Les autres, c'est un peu plus cool. Hein. On a réussi. Oh la vache, c'était chaud. C'était chaud, poulette, mais on y est enfin arrivé. Bon, quand même, sans réviser, je suis plutôt fière. Je suis plutôt fière. Bon, on n'a pas récupéré tous les trésors, mais hein, c'est pas très très grave. Hein. Franchement, on est incognito en même temps, on n'avait pas le choix. Bon, bah, c'est cool. Et puis on... Ça y est, je sais plus parler. Et pour la semaine prochaine, eh bien, on fera tranquillement un prochain challenge de Croux. Et j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis donc à très bientôt. Voilà. Vous avez tout débloqué dans ce casse. Parfait. Qu'est-ce que je vous dise ? Je vous fais des très gros bisous et à très bientôt pour d'autres aventures Croux ou d'autres choses sur ma chaîne. Allez, ciao !